Il est ordonné, statué et décrété que Walter McMillan sera exécuté par électrocution. C'est mon père, monsieur. Asseyez-vous, jeune homme. John, assieds-toi maintenant. Il a rien fait de mal. Putain, monsieur le président, un instant. Je ne vous le répéterai pas. Asseyez-vous. Pas si vous tuez mon père sans raison. Vous tuez ma famille, monsieur. Il est clair que ce procès est bâti sur des mensonges. Quand on met un noir dans le couloir de la mort un an avant son procès, quand toute preuve attestant de son innocence est étouffée et que tous ceux qui essayent de dire la vérité sont menacés, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas bien. Vous jetez pas l'éponge ? Jamais de la vie. C'était comme regarder une rivière pleine de gens qui se noient, sans savoir quoi faire pour les sauver. Vous savez pas à quoi vous vous exposez. Ils n'ont pas besoin de preuves. Combien parmi vous étaient avec Walter ce matin-là ? Qui est à l'appareil ? Le type qui a posé une bombe sous ta baraque. Tout le monde sort de la maison. Votre vie compte toujours. Et je ferai tout mon possible pour que personne ne vous la prenne.